Nous sommes avec Stéphane Roland dans son backstage pour cette nouvelle collection. Bonjour Stéphane. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, encore des nouveautés chez Stéphane Roland ? Oui, des nouveautés pour montrer que la haute couture, ce n'est pas forcément ce qu'on parfois on en dit. C'est-à-dire que ce n'est pas un savoir-faire qui se perd et qui meurt. Une haute couture aujourd'hui, c'est quelque chose de. C'est une collection qui peut être moderne, qui peut être forte, qui peut être vraiment actuelle. Et montrer c'était important de montrer pour moi que la haute couture a un futur. Et un vrai futur. C'est l'image de Paris, c'est l'image d'un savoir-faire et il ne faut pas avoir peur de développer des concepts nouveaux. Et cette saison, j'ai travaillé avec des chimistes, j'ai travaillé avec des usines qui coupent au laser. La robe de mariée a par exemple 25 000 morceaux de laser brodés sur la robe. C'est des techniques nouvelles, c'est des techniques qu'on n'osait pas forcément utiliser pour la haute couture. Et c'est bien de montrer que les différents métiers qui ne sont pas forcément faits pour travailler ensemble peuvent communier et peuvent donner de bons résultats. Ça, c'est vrai que dans un premier temps, la matière, vous maîtrisez. Hein. Oui. Mais également le volume et la forme. Ah, le volume et la forme. Oui, merci de l'avoir noté. Merci de l'avoir noté. Pour moi, c'est important de travailler comme une œuvre d'art, comme une architecture, tout en gardant le vêtement portable. Voilà, pour moi, ça, c'est important. Parce que sinon, je n'ai plus qu'à faire des costumes de théâtre et ça ne m'intéresse pas. Pareil, donc c'est un autre métier, autre chose, absolument, ouais. Je l'ai déjà fait, c'est un autre métier. Mais ce qui m'intéressait, c'était de travailler le mouvement. Je trouve que quand une femme rentre dans une pièce, la robe doit accompagner le mouvement. Et moi, mon rôle et mon devoir, c'est d'être toujours l'accompagnateur de la femme et de ne pas l'étouffer. Voilà. Je suis là pour, au contraire, la magnifier. Vous amplifiez en fait certains volumes, parce que j'ai regardé déjà des choses, avec certains plissés, certains drapés. Tout à fait. Et vous limitez d'autres pour en fait améliorer encore la silhouette. Absolument. C'est-à-dire que j'ai gardé les lignes pures et j'ai accentué certains volumes qui pouvaient être exagérés. Parce qu'il ne faut pas non plus que la femme soit engoncée dans des sculptures abracadabrantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Like a shining star.